Bonsoir, monsieur de Roncher. Vous êtes président de Dejadida Accueil. Pouvez-vous nous donner une idée un peu sur votre association, oui, sa création? C'est une association qui est réservée aux Français et aux étrangers francophones. Et nous avons plusieurs actions. Nous avons de l'aide sociale, de l'aide humanitaire, et nous essayons de faire participer nos amis français, les francophones, au monde dans lequel ils vivent à El Jadida. Notre soirée de ce soir, c'est une soirée de gala, c'est la première que nous organisons pour essayer de prolonger la politique culturelle de la ville par ce dîner-concert qui rentre dans le cadre de... Il ne suffit pas, il n'y a pas que l'industrialisation d'un pays ou l'urbanisation d'un pays qui compte, il y a aussi tout le domaine culturel. Merci. Je vous en prie. Vous allez voir ça après sur le site. Voilà. Vous pouvez me donner un petit peu une impression sur El Jadida Accueil. Une petite impression. L'association. Voilà, on a été bien accueillis, même depuis notre pays d'origine, les Pays-Bas. Nous avions envoyé un message, un email à Charles, et il nous a tout de suite répondu. Que voulez-vous de plus? Donc, dès le premier jour, ils nous ont aidés. Voilà. Vous, madame, et voilà. Et puis, on est tombé en bon moment parce que ça fait une semaine qu'on est là et déjà, gala, soirée, jazz. C'est pour la première fois que vous êtes au Maroc. Nous sommes là. Nous sommes là depuis une semaine. Comment vous avez trouvé un peu le climat, l'accueil? Très accueillant. Les Marocains, très accueillants. Oui. Alors, soyez les bienvenus. Merci bien. Jean-Claude Bahézac, qui est l'organisateur de cette soirée. Monsieur le gouverneur, on bassine souvent avec l'industrialisation, l'urbanisation des Jadida, mais il nous a quand même dit quelque chose la dernière fois, c'était qu'il voulait faire de El Jadida une capitale culturelle du Maroc. Donc ce soir, nous inaugurons notre première soirée de gala. Avant tout, ce qui va se passer cette semaine, c'est-à-dire l'ouverture du théâtre municipal, l'ouverture du salon du livre aussi, jeudi ou vendredi. Et nous apportons, nous, notre petite association, notre toute petite pierre, à ce que El Jadida devienne une capitale culturelle du Maroc. Monsieur le gouverneur. Bonsoir, monsieur Dana. Je vais être très très court. Donc, avec impatience, on attend. Mais juste deux clins d'œil. Le premier, c'est que mardi à 16h, on va inaugurer le théâtre qui désormais va porter le nom de Mohamed Saïd Afifi, qui est un grand natif d'ici, qui était directeur. Et c'est la première fois au Maroc presque où le nom d'un théâtre va porter donc quelqu'un qui a travaillé, qui a suivi, quelqu'un qui a vraiment laissé ses troupes parce qu'il est mort. Ça fait 2 ans, la République française. Donc on va pouvoir rendre hommage aussi. Et on a fait un travail avec un grand chorégraphe, Hassan Zimoun, où on a une symphonie de l'Aïta. L'Aïta, c'est la musique locale. Donc on a été dans les souks, chercher des musiciens, et on a fait un travail sur la mémoire. Donc même si on ne comprend pas l'Aïta, c'est magnifique à voir. Donc les invitations sont au niveau de El Jadida Accueil et vous êtes tous conviés. Deuxième chose, c'est que nous avons un programme artistique très très dense cette année, Charles. Hein. Outre les festivals qui ont déjà été programmés, Mouniès, Mouniès et le festival de Mala, nous allons créer cette année une première, un festival de poésie
avec 44 poètes qui viennent de la Méditerranée. Même si on est sur l'Atlantique, le Maroc est un pays méditerranéen. Et on aura plusieurs langues, et ça va être vraiment original comme événement. Et j'espère qu'on va pouvoir tous profiter de ce moment-là pour ancrer encore plus Jadida comme capitale de la culture. Dernier petit détail, je suis très heureux de retrouver Jean-Claude Fouché, qui est hospitalisé, je vous demande d'applaudir. Merci. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Et que vous aussi nombreux. Et je vais vous présenter une soirée musicale. Je vous parle en français parce que je suis désolé, mais je ne connais pas encore bien la langue de ce pays. Tu n'es encore pas résident. Voilà. Mon frère, lui, donc, il m'a fait venir parmi vous ce soir et nous allons vous interpréter trois tableaux musicaux différents. On va commencer par de la musique, ce qu'on appelle traditionnelle de jazz, à tendance jazz traditionnel, jazz manouche, et ainsi de suite. Avec mon frère Johnny Monat au piano. Merci. Les son petit frère, moi-même, Léo Monin, au violon. Voilà. Alors on va commencer par des standards de jazz. On va commencer par un thème qui s'appelle Flamingo, pour ceux qui connaissent. À vous de juger. Merci. Une petite balade. Hein. Ainsi que
que tout le personnel, les serveurs, les serveuses. On va vous faire un très joli morceau qui s'appelle, c'est un morceau de Claude Nougaro. Je pense que tout le monde connaît ça, ça s'appelle La Ballade Irlandaise.
Alors, on continue. Alors, on va changer un petit peu de style. On va vous faire avant une petite pause pour qu'on va marquer. Yalla. Mesdames et messieurs, nous allons vous demander quelques instants, nous reprendrons à partir de 3h du matin. Profitez-en pour pouvoir élever le son de votre voix, et puis on revient dans quelques instants. On va vous présenter deux jeunes filles que j'ai découvertes grâce à Madame Baeza, qui est dans la chorale de Jadida, c'est ça? Non. C'est à l'église. Voilà, non, à l'église. Hein. Voilà. Ce sont deux jeunes filles qui chantent, deux blacks qui chantent à l'église et qui sont, je crois qu'il y en a beaucoup de blacks qui chantent à l'église, hein, le dimanche. Je ne suis pas encore allé, mais je ne vais pas tarder. Donc, je vais vous présenter ces deux jeunes filles que j'ai fait travailler un petit peu depuis pas très longtemps. On a fait peut-être 3 ou 4 répétitions. Et voilà, vous allez nous dire ce que vous en pensez dans quelques instants. Voilà, à tout à l'heure. Léo Monin. Léo, de son prénom, L-E-O. Monin, musicien, artiste violoniste. Et puis, ça c'est mon grand frère, Johnny Monin, aussi. Il est depuis quand au Maroc? Alors lui, il est résident au Maroc depuis le tout début du mois d'avril. Il est nouveau. Oui, voilà. Résident, d'après ce que j'ai cru entendre, il a sa carte de résident depuis très peu de temps. Voilà. Alors, vous êtes les bienvenus. Merci, c'est gentil. I don't know why I need to come.
ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier tes heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai les perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent un jaillir de feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il terre brûlée, donnant plus de thé que meilleur avis. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel soit noir, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder, chanter et sourire, et à t'écouter danser et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Alors, on va monter un petit peu dans la douleur. De musique de film qui s'intitule Bagdad Café. C'est chaud.